venait de loin. Un voyage fatigant. Venise a été envahie par ces animaux. Vous ne pouvez pas les faire réapparaître. Ils ont tué énormément de touristes et beaucoup de villageois. C'est un désastre naturel. Mais pour moi, ce sont des dieux et ils sont rares. Vous devez lutter contre ça. Pensez que ces animaux sont dangereux si vous voulez refaire vivre. Ils ne sont pas dangereux en Afrique. Si, en Afrique non, mais à Venise, ils sont dangereux. Vous voudrez les libérer. Il ne faut pas les libérer. Et les ramener en Afrique. On verra ça. Faut que j'y réfléchisse. Comme vous êtes vénitien, pouvez-vous me trouver des endroits où il y a des animaux pétrifiés? Oui. Tu vas mourir. Tu fais quelque chose de pas du tout bien. Reviens en toi dans quelques jours. Ça va être la vie que tenir quelque chose en fer dans ta bouche. Reviens en toi. Les animaux de Venise ont été importés de l'Orient. Regardez. Encore des traces de ce petit animal incroyable. Le roi des animaux de Venise. C'est cet animal.
cet animal qui a poussé les autres animaux à devenir animaux. Il a été pétrifié le premier. Et comment est-il? Vous verrez, je vais vous montrer. Allez-y, reprends ta vie. Revis. Libérer tous les animaux. On va partir en bateau quand ils seront tous récupérés et les faire partir en Afrique. Super plan, super. Comme ça, ils seront plus heureux que dans une pierre. Je ressens leur joie déjà. Venez, je vais vous offrir un thé chez moi. C'est ici chez toi? C'est un casino du 18e siècle. Ah voilà, ici c'est chez moi. C'est bien, vous avez une belle basilique. Hein. Et vous connaissez des endroits avec des animaux encore à sauver? Attendez, j'ai pas le cerveau à penser à ça là, je suis bien tranquille chez moi, à avoir un petit thé. Oui, je comprends. Je suis née à l'hôpital, à Osbeda. Ah, où ça? C'est bien. Osbeda, allez.